Je dirige l'entreprise La Fenêtrière depuis 15 ans. Je préside le groupe Femmes depuis 3 ans. Et comme Stéphanie, j'ai rejoint le groupe il y a 12 ans. J'ai rejoint le groupe Femmes il y a environ 9 ans. Il y a une diversité des chambres. On a architecte, on a le bois, donc comme Catherine, on a la peinture. On a une de nos collègues qui est au Prud'homme, il y en a une autre qui est au RSI. Une au Calibat aussi. À Calibat, exact. Calibat. Donc il y a aussi de la technique. Mais du coup, dès qu'on a un besoin, en fait, c'est très rapide. On a un système d'échange par WhatsApp. Et en fait, on a rapidement les informations. Donc c'est vraiment la force d'un réseau, c'est la force d'un groupe. Et ça, ça n'a pas de prix. Déjà, on est un groupe avant tout. Et donc, on le fait fonctionner tout ensemble. On détermine en fin d'année le planning de l'année à venir et on se retrouve une fois par mois. Par exemple, on a fait une formation pour apprendre à parler en public, ce qui peut être très intéressant quand on a besoin de parler à son propre personnel ou comme aujourd'hui. On intervient dans des écoles, ouais. Auprès des jeunes, pour justement les sensibiliser sur nos métiers et de leur faire découvrir aussi qu'il y a des femmes dans ce métier d'hommes. Il faut savoir qu'il y a 94 groupes femmes dirigeantes, conjointes collaboratrices à travers la France au sein de la Fédération française du bâtiment. Et c'est pas négligeable et c'est chouette parce que justement, ça nous permet aussi d'avoir des relations à travers la France entière. C'est ce qu'on veut essayer de faire ressortir de ce groupe, c'est pas les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, c'est vraiment travailler tous ensemble et les uns apportent aux autres. Ben justement, je vous parlais de ces groupes femmes à travers la France et à l'occasion de nos 20 ans, nous allons les accueillir à Paris pour les sensationnels du bâtiment. Et ben, la Fédération, c'est notre maison et c'est notre équipe. Et on est fiers d'en faire partie.